Le handicap touche 20% des Français, soit près de 12 millions de personnes qui ne sont quasiment pas représentées dans les institutions de la République. À commencer par l'Assemblée nationale où l'on ne compte qu'un seul député handicapé. Le monde politique doit absolument s'ouvrir à la diversité, estime Mathieu Hanrot, conseiller municipal et député suppléant de La République En Marche en Loire-Atlantique. Il est lui-même non-voyant. L'inclusion des élus en situation de handicap dans les instances politiques, alors qu'elles soient nationales ou locales, est un vrai enjeu de société. Les personnes handicapées peuvent et doivent agir dans le champ politique. On est en totale capacité d'intervenir sur tous les sujets, avec une vision différente qui doit apporter quelque chose au débat public et au débat politique. Au mois de janvier, des hauts fonctionnaires chargés du handicap ont été nommés dans chaque ministère, mais parmi eux, pas un seul handicapé. Preuve qu'il y a encore de gros efforts à faire, selon Mathieu Hanrot. On sensibilise donc les pouvoirs politiques à cette représentativité pour vraiment décloisonner le monde politique et l'ouvrir au monde du handicap, faire bouger les choses pour les personnes handicapées, mais avec également les personnes handicapées. En tant que président de l'Association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées, Mathieu Hanrot sera reçu aujourd'hui au Sénat, dans l'espoir, dit-il, de bousculer les mentalités.